Salut les geeks et les geekettes. Comment ça va? Bon, on se retrouve pour une petite vidéo annonce sur une super map qui m'a été faite par CrazyDuck70210, qui doit être son code postal. Haha, on sait où t'habites maintenant. Et donc il m'a fait une map très très sympa, et donc c'est pour l'annonce concernant, comme vous pouvez le voir sur ce magnifique dessin. Waouh. Une annonce concernant les vacances de la chaîne, à savoir que la chaîne va être en vacances, et un peu de chunk hier, en vacances de ce samedi-là jusqu'au 14 juillet, même un petit peu plus, puisque je rentre le 15 juillet, je crois. Pour une raison simple, hein, Captain Obvious, là. Donc qu'est-ce que ça signifie, la chaîne en vacances? Ça veut dire moins de vidéos, forcément. Je vais essayer de régler ce problème de... Mais il y en aura toujours, je vous en ai préparé d'avance. Donc alors, si on fait un point sur les... Ça ne veut pas se mettre à jour. Si on fait un point sur les différentes séries qui sont en cours, alors les séries multi, donc il y a d'un côté Ba avec Banana, Harry et Asnet, et de l'autre côté Saints Row avec juste Asnet. Ces séries-là continuent. On a prévu des épisodes d'avance, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc comme c'était bien organisé pour qu'il y ait assez d'épisodes de tournée, sachant que Az n'est pas là au mois de juillet aussi. Donc là, ça continue, tous les dimanches, Saints Row tous les lundis et tous les... c'est long à charger une map. Tous les lundis et tous les vendredis. Et à côté de ça, pour ce qui est des séries, des autres séries, il y a Skygrid donc, qui va être en pause, au moins jusqu'au 14 juillet. Puisque de toute façon, je ne peux pas trop tourner à l'avance, puisqu'il me faut vos défis. Il y a les Tamir, j'ai plus beaucoup d'épisodes d'avance malheureusement, donc il va y en avoir très peu. Faudra attendre cet été pour la suite de l'aventure, mais j'ai déjà rempli mon objectif là-dessus, je pense, vu les laines que j'ai chopées. Est-ce que vous verrez... Ah, je spoil un peu, désolé. Donc je pense que j'ai rempli mon objectif, vous verrez bien pourquoi. Et la dernière série, last but not least, comme on dit. Ça fait toujours un peu bien de l'anglais. je raconte n'importe quoi. Donc la dernière série, le LP, évidemment. Le LP, j'ai un épisode d'avance pour l'instant. Je vais essayer de vous en tourner un peu plus pour tenir un rythme de un épisode par semaine. Ça sera diffusé le samedi. À l'heure de grande audience. Donc ça sera le samedi, je vais essayer d'en faire 4, un pour chaque samedi, puisque je pars 4 semaines. Et faire un petit épisode spécial pour ce jour un petit peu spécial. Je verrai bien, faut que je convainque une personne. Donc vous verrez bien. Et je dis beaucoup. Et donc après on se retrouvera après le 14 juillet pour un redémarrage au rythme classique. Enfin je vais essayer de tenir le rythme, après je serai plus retenu par grand chose à part le voyage de noces derrière, mais tout est prêt, il n'y aura que les valises à faire, mais qui arrive beaucoup plus tard, le voyage de noces. Donc voilà pour les nouvelles, j'espère que vous ne serez pas trop triste qu'il y ait moins de vidéos, mais je vais quand même essayer de vous en faire, et je préfère en faire moins évidemment, et en faire de qualité plutôt que... de bâcler le travail, parce que si je pourrais tourner 10 épisodes de LP s'il fallait, mais ça serait pas des trucs intéressants. Bref, comme ça vous savez tout. Pour ce qui est de mon activité sur la chaîne, jusqu'à fin juin ça devrait aller, puisque moi je ne pars que fin juin officiellement. Bon, avant évidemment j'ai les préparatifs, donc je peux pas forcément tourner de vidéo. Par contre, pour ce qui est répondre aux commentaires, Twitter, etc. Pour ça, j'ai pas grand chose au boulot en ce moment, donc il devrait pas y avoir trop de soucis. J'espère que mon boss n'est pas abonné à ma chaîne. Je pense pas. Donc il devrait pas y avoir trop de soucis de ce côté-là. Par contre, après, du 30 juin jusqu'au 14 juillet, ça va être blackout complet. Quoique je passerai un petit peu de temps en temps pour voir s'il n'y a pas de problème de vidéos supprimées ou ce genre de choses, comme la dernière fois. Mais non, je passerai juste en coup de vent. N'en profitez pas pour faire de la pub pour vos chaînes dans les commentaires. Hein. Comme vous l'avez sûrement vu, je supprime souvent.
c'est pas la meilleure façon pour faire de la pub. Donc voilà, vous savez tout. Puis bah, je tenais à vous dire encore une fois merci à tous. J'ai pas pu faire de vidéo spéciale pour les 10 000 abonnés comme je voulais faire. J'ai pas eu le temps, j'ai préféré me consacrer au LP. J'avais tenté un truc mais qui n'a pas marché. Et puis vu à la vitesse où ça va, je vous préparais un truc pour après. Je sais pas à combien je serai. Mais en tout cas, merci à tous de me suivre. Puis bienvenue aux nouveaux arrivants chaque jour. Et puis que dire d'autre ? Merci à tous pour vos commentaires très sympathiques. La plupart des commentaires sont sympas. J'ai rarement eu des commentaires négatifs, quelques-uns. Et puis souvent, ce qui est bien, c'est que quand vous mettez des commentaires un petit peu négatifs, c'est dans le bon sens, c'est-à-dire vous me dites « Ah oui, là, t'aurais pas dû faire ça, etc. Ça serait mieux comme ça. » Et il y a des trucs très constructifs, donc continuez comme ça. C'est comme ça qu'on ça me permet d'améliorer les vidéos. Voilà. Vous savez tout, j'espère que ce truc-là va bien se passer. Ça c'est bon, on les a déjà, ça. Mais de toute façon, c'est pas moi qui stresse. J'en connais une qui stresse pour deux. Et je vous dis pas la date, parce que vous le verrez sûrement à travers une de mes vidéos. Et suivez-moi sur Twitter si vous voulez plus d'infos, d'ailleurs. Je ferai peut-être un petit peu de tweet. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bonne chance pour ceux qui sont en plein examen. Il y a le bac qui doit arriver, normalement. Puis il y a d'autres examens. Donc bonne chance à tous. Et puis, ben, à la prochaine. On va faire un grand saut pour finir. Il paraît que se marier, c'est comme sauter dans le vide. J'espère que ma copine n'est pas non plus abonnée à ma chaîne. Allez. Wouhou! Allez, bye bye, à la prochaine. Et encore merci à CrazyDuck70210. Je sais pas s'il a une chaîne. Je verrai, je mettrai un lien dans la description s'il a une chaîne. Allez, bye bye.